de Tony Julia Chana. Hello everyone. My name is Julia. I am 3 years old. Hi, I am Tony. I am 5 years old. We're going to learn words in Korean and French. Oh, ready, Julia? Yes. Do you like to learn words? Yes. Bonjour tout le monde. Salut les amis, ça va? Oui. Moi je m'appelle Anthony et j'ai 5 ans et demi. Moi je m'appelle Julia et j'ai 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Tony et Julia? Aujourd'hui on va apprendre des mots, c'est ça, Tony? Oui, et vocabulaire. Vocabulaire de quelle langue? En anglais et en coréen. Ah, ça serait intéressant, hein, Juju? Oui. Super. Apprenons l'anglais et le coréen. Oui. Allons-y. Okay, today, children, we're gonna study the words about school and work. At school, for example, pour nos amis français, on va étudier donc tout ce qui se passe à l'école et au travail. At school. At school, there are a lot of accessories. Il y a beaucoup d'accessoires à l'école, comme quoi, par exemple, Tony, qu'est-ce que c'est que cet accessoire-là? Un globe terrestre. Un globe terrestre. On en a un beau d'ailleurs ici. On aime bien le regarder parfois pour voir un petit peu où se situent les pays. Hein, we like to see where are located the countries, hein, Julia? Un globe terrestre. Et ça? Alors ça, qu'est-ce que c'est? On appelle ça un agenda ou bien... Un emploi du temps. L'emploi du temps, excellent. L'emploi du temps. Ça sert à quoi un emploi du temps? Pour regarder quand c'est l'heure des papas et des mamans, et quand c'est l'heure de la cantine, quand c'est l'heure de la récréation. Voilà, à quelle heure est-ce qu'on va en récréation, Julia? À quelle heure est-ce qu'on va à la cantine? À quelle heure est-ce qu'on étudie de l'anglais? À quelle heure est-ce qu'on étudie les mathématiques, etc. C'est l'emploi du temps. Qu'est-ce qu'on trouve souvent dans les écoles? We find often a clock. Une horloge, une heure, pour nous indiquer justement l'heure qu'il fait. Oui. Hein? To tell us what time is it. Julia, est-ce que tu sais lire l'heure, toi? Oui. Pas encore, tout à fait. On fera d'ailleurs une vidéo bientôt. Tony, tu pourras apprendre à nos amis comment lire l'heure. Parce que toi, ça y est, tu sais lire l'heure. Sur un bureau d'écolier, on a desk at school. Il y a des crayons, une feuille pour écrire. Alors, des crayons, what else? Alors, une calculatrice, il y a... Une règle. Des règles. Une gomme. Une gomme. Et des petites feuilles blanches. Un calepin, on appelle ça. Hein. Et voici une agrafe. Une agrafeuse. Voilà l'agrafeuse. Elle est grosse. Le cahier d'études ou le cahier d'exercice, the exercise book. Tony Julia. And now, let's talk about all sorts of work. Parlons un peu du travail, les enfants. Lorsque vous grandirez, hein, Juju, Julia, quand vous grandirez, vous aurez accès à beaucoup, beaucoup de travaux différents. Regardez cette jeune fille-là, par exemple. Elle doit avoir quelque chose comme 10 ans, peut-être. Eh bien, elle pense déjà à un métier qu'elle ferait plus tard. She's already thinking about the work she would do in the future. Isn't it interesting, Julia? Yeah. You too, I'm sure you have some dreams. Regardez. Look at that. What about that dream, Julia? What is she wishing to do? To become an engineer. Une ingénieure. Et les ingénieurs, ils portent quoi sur la tête, souvent? Un casque. Pourquoi? Pour ne pas abîmer le crâne. Ouais, en effet, en cas de chute d'un objet, du chantier de construction, d'une grue... Reconstruire une fenêtre, par exemple, elle peut tomber, alors comme ça... Sait-on jamais. C'est vrai qu'il y a des risques dans ce métier-là, alors on porte un casque et elle construit donc des immeubles. The architect, elle le fait de son ordinateur. Avec son ordinateur, elle choisit quel immeuble on va construire. C'est plutôt qu'elle le dessine, l'immeuble. Elle le dessine avec son ordinateur, la forme, la taille, le nombre d'étages. Ensuite, elle l'imprime et ensuite, elle le donne au chef pour la construire. Voilà, ensuite, c'est l'ingénieur, donc, qui se charge de la construction. Hein, Julia? Oui. Et en Corée, il y a beaucoup de grandes tours. There are a lot of high towers. Yes. Voilà, Tony, on appelle ça des gratte-ciel. Des gratte-ciel, Julia. Eh oui, les gratte-ciel, les skyscrapers. Ça veut dire skyscrapers. Ça gratte le ciel. Le même
non, les grattes. Mais oui. Alors, ensuite, un autre rêve qu'elle pourrait faire, c'est être vétérinaire. A vet, or veterinary, en français, un vétérinaire. De quoi se charge le vétérinaire, Julia? De quoi se charge le vétérinaire? Vétérinaire. Oui. Et pour faire. Pour soigner. Pour soigner. Qui donc? Les animaux. Les animaux. Alors, la jeune fille, elle pense enfin à pouvoir devenir conductrice de bus. Oui. Bus driver. Une conductrice de bus au féminin. Au masculin, comment est-ce qu'on dirait, Julia? Un homme, il est... Conducteur de bus. Et pour une fille? The male gender is the bus driver, conducteur. The female driver is une conductrice. C'est bien, Tony. Bravo, Julia, ici. Une conductrice, c'est bien. Le garçon, lui, the boy, is thinking about different works, like a chef, un chef de cuisine. Un chef de cuisine, c'est celui qui prépare la nourriture. Les plats. Où ça? Dans des restaurants. Dans des restaurants, oui, Julien, Anthony. Ou à la cantine, dans des cantines d'entreprise. Des cantines. De la ratatouille. Sanglier. Sanglier, c'est plutôt rare dans les cantines. Mais dans les restaurants, on trouve de tout, c'est sûr. L'avocat, a lawyer. A lawyer, c'est un avocat. Et qu'est-ce qu'il fait, l'avocat? The lawyer, what's his job? L'avocat, il s'occupe de défendre les citoyens, les gens comme toi et moi. Ils ont fait des bêtises. Ou non. Ils peuvent ne pas en avoir fait des bêtises. Un voleur l'a trahi. Et alors, ils ont besoin d'être défendus devant un juge. Le policier, lui, il est en charge de... Attraper les voleurs. D'attraper les voleurs, les criminels, Julia. Regardez. Ou simplement, voilà, ou simplement de surveiller la circulation, ou de faire des petits travaux. Oui. A nurse. A nurse in French. How do we say in French, Tony? A nurse, Julia. How do we say in French? Une. He is... Un infirmier. Une infirmière. That's it. Male and female. Elle est une infirmière. Que fait l'infirmier ou l'infirmière? L'infirmier, il aide le docteur de faire une piqûre aux gens malades. Il aide à faire une piqûre aux gens qui sont dans le besoin, donc de soins. Et quand ils sont malades, on les met une piqûre. On leur met une piqûre, on leur fait une piqûre. Sur l'épaule. Voilà. Et dans les hôpitaux, on trouve beaucoup d'infirmiers, donc tu as raison, Anthony, pour aider les docteurs. Ensuite, le reporter. Qui est le reporter? Who is a reporter, Tony? C'est celui qui raconte des actualités sur les télévisions. Voilà. We use the English word. Et c'est le journaliste, donc celui qui traite l'information tous les jours. Et enfin... Ce qui est le plus beau métier du monde d'après les Français, dans le monde entier on en parle d'ailleurs, on dit la même chose dans le monde entier, j'imagine aussi. What is the most beautiful work in the world? We say it's to be a teacher. Un instituteur. Ou bien une institutrice. Ou bien encore un professeur. Voilà. Et l'instituteur, qu'est-ce qu'il fait? L'instituteur, il apprend aux enfants, les écoliers, de faire des calculs, par exemple. Il leur enseigne les mathématiques, il leur enseigne le français. 6 égale 12, ou bien des nombres et des chiffres. Les chiffres, les nombres, la science. Anthony et Julia, now that we are done with the vocabulary, yes. Let's play a little game. We are going to imitate the works. Teacher. Yes, some works. And we are going to guess. Julia, you will choose a picture among those and you will imitate what you see. All right, you found it? Yes. Ready, Tony? She will imitate now. Yes. Julia, imitate. Ah, she's imitating now, Tony. What is she doing? On the computer, it seems. Yes. What could that be? Julia work in the computer for choosing
a house. Oh, you mean the architect? Yes. She is the architect. Julia, are you the architect? Yes. Yeah, she is the architect. In Korean, Gonchukga. Gonchukga. Une architecte ou un architecte. Bravo, Julia. À toi, Tony. Choisis une image sans nous le dire. Tony's turn. Did you find out? Get ready, Julia. He will imitate something. Mm-hmm. Ah, he's doing something. Oh, look, what is he doing? Oh, what is this? Julia? I know. What could that be? Cooking. The cook? Yeah. The chef? Yeah. Ah, good job, Julia, you guessed. He's a chef. Here is a chef. Yorisa! Good guess, Julia. Very good guess. And now, Julia's turn. Find something. What is she doing, Tony? Do you know? What could that be? This! The bus driver? Yeah, you guessed, Tony. High five. Good job. Julia, you are doing a good job. We can see very well. The bus driver. 한국말로. 어떻게? 버스 운전사. 버스, Julia, 운전사. Le conducteur ou la conductrice de bus. C'est bien. À toi, Tony. I choose. I'm finished. Let's do. Julien, ready? What is he doing? Oh, bueno, Julien, here you go. Oh, you found? Julien, what could that be? He's doing. What is he doing? Drawing? Yes. But which job? Show me. No. The teacher? No. Not the teacher. Then what could that be? I got it. Yeah, Julia? Yeah, Anthony? Yeah. The engineer. L'ingénieur. 한국말로. Qui solja. 잘하네. Bien joué. Julia's turn now. Julia, you can select. The work you wish. You got it. Okay, you can stand. Oh, okay, Julia. She got it. What could that be, Tony? What is she doing? I know. Oh, what is it? The teacher? Yeah. Julia? Something new? Yeah. The teacher. L'instituteur ou l'institutrice. Hey, well done, Tony. You guessed well. Julia, you're a good actress. And finally, the last one for Tony. You got it? No. Which one will you choose? Ah, I know. He's ready. Oh, I got it. Ah, Julia, which one? The policeman catching a robber. See. Well done, Tony. Chiffin, this is not difficult to learn. So too, hein, Julia? It's not difficult to learn, huh? Yes. Korean, French, English. It's very interesting to learn, and with you, it's a pleasure always. Thank you, Tony and Julia. Huh? Thank you, friends, and please subscribe. Bye, bye, Tony, Julia. Thank you. Bye. Merci, Tony, Julia. Aujourd'hui, c'était super. Hein? On a appris des mots d'anglais. Pour tous nos amis qui en ont besoin, sur d'autres vidéos, vous pouvez apprendre le coréen. On espère que ça vous a plu et on va vous faire des vidéos en coréen et en anglais. Merci Tony et Julia. À bientôt pour plus de vidéos et abonnez-vous. Merci Tony et Julia, bye bye. Bye bye. Please subscribe to our channel. Abonnez-vous.